Enfin, moi, je suis prête à tout, quoi. Ok. Du monde en un village de 100 personnes tout en maintenant les proportions de tous les peuples existants sur la Terre. Ce village serait ainsi composé. 57 asiatiques, 21 européens, 14 américains nord, centre et sud, 8 africains. Il y aurait 52 femmes et 48 hommes, 30 blancs et 70 non blancs, 30 chrétiens et 70 non chrétiens, 89 hétérosexuels et 11 homosexuels. 6 personnes posséderaient 59% de la richesse totale et tous les 6 seraient originaires des USA. 80 personnes vivraient dans des maisons plus qu'inconfortables. 70 seraient analphabètes. 50 souffriraient de malnutrition. 1 serait en train de mourir, 1 serait en train de naître, 1 posséderait un ordinateur, 1 ou 1 seulement aurait un diplôme universitaire. Quand on considère le monde à cette échelle, le besoin à la fois d'acceptation, de compréhension et d'éducation devient clairement évident. Prenez aussi en considération ceci. Si vous vous êtes levé ce matin avec plus de santé que de maladie, vous êtes plus chanceux que le million de personnes qui ne verra pas la semaine prochaine. Si vous n'avez jamais été en danger d'une guerre, la solitude de l'emprisonnement, l'agonie de la torture, l'étau de la faim, vous êtes plus chanceux que 500 millions de personnes. Si vous pouvez aller à l'église sans peur d'être menacé, torturé ou tué, vous avez plus de chance que 3 milliards de personnes. Si vous avez de la nourriture, des vêtements sur vous, un toit sur votre tête et un endroit pour dormir, vous êtes plus riche que 75% des personnes sur Terre. Si vous avez de l'argent à la banque, votre portefeuille est ramené sur vous, vous faites partie des 8% les plus privilégiés du monde. Si vos parents sont encore vivants et toujours mariés, vous êtes une personne réellement rare. Si vous vous retrouvez en possession de ce message, vous venez de recevoir une double bénédiction. Parce que quelqu'un a pensé à vous, parce que vous ne faites pas partie des 2 milliards de personnes qui ne pourront pas le lire s'ils le veulent. Travaille comme si tu n'avais pas besoin d'argent. Aime comme si personne ne t'avait jamais fait souffrir. Danse comme si personne ne te regardait. Chante comme si personne ne t'écoutait. Vis comme si le paradis était sur Terre. Vis comme si le paradis était sur Terre. Vis comme si le paradis était sur Terre. J'attends le lendemain, je vais la retrouver. Mmh, ouais, j'ai jamais retrouvé.